raconte ma vie. Mets-moi. Et on en a marre. On veut retrouver la terre ferme, s'il vous plaît. Oh. Aïe, bébé, 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 la bête va t'attaquer, bébé. Oh. Bah, j'ai bien profité de cette lune de miel. Hein. Donc la croisière commence, on s'est installé en chambre et là on va déjeuner. Désolée, je suis un peu fatiguée, ça a été un petit peu long, on s'est installé là. C'est assez calme parce qu'à l'intérieur il y avait quand même beaucoup de monde, mais là c'est calme et par contre il fait frais et il y a des mouettes qui volent la bouffe, donc il faut être vigilant, mais sinon c'est cool. Je rejette la femme. The sound you have just heard is the general emergency signal. Should you hear the signal, please follow the instructions that we will show. La croisière a commencé, le bateau est toujours à quai. On avance en vous avez vu le ciel? Moi, je vous dis que le ciel est beau, pas en fait. J'ai peur. Oh my god. Thank you.
table qu'on a dans notre chambre. Ça me dégoûte. Non, mais franchement, c'est dégueulasse. Je suis désolée, mais j'aime pas du tout. En plus, en face de nous, quoi. Je vais devoir me taper ça pendant 7 jours, 8 jours, quoi. J'ai essayé de voir si je pouvais le recouvrir, mais j'ai pas réussi. Pas vu d'alcool. Donc notre première journée touche à sa fin. C'était une journée vraiment sympa, un peu longue parce que on est parti de notre hôtel vers 6h30. On a quand même fait 3 heures de route. Après, il fallait faire les démarches pour pouvoir embarquer. Donc ça a été assez long. Voilà, jusqu'à arriver dans nos chambres. On a beaucoup marché aussi. On a fait pratiquement tout le tour du bateau, pratiquement. Donc voilà, journée longue, intense, mais c'était sympa de pouvoir découvrir les lieux. Alors, bon, je vous donnerai mon avis à la fin de la croisière. On attend de voir comment le séjour va se passer. Voilà, c'était juste un petit coucou. Là, on va dormir. Demain matin, on a une excursion. Je ne suis pas sûre de pouvoir filmer puisqu'on va faire du jet ski. Et après, on espère pouvoir profiter de la journée, faire un peu de... faire un peu de sport et ouais, poser ça à manger, chiller, voilà. C'est ça pour le programme de demain. Je vous embrasse. Bisous. Hello, je vous reprends après une bonne nuit de sommeil pour vous parler un petit peu de ce qu'on a déjà fait depuis que nous sommes partis de la Guadeloupe. Puisque hier, déjà je ne sais pas ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, et hier soir j'ai parlé, mais je sais que j'étais fatiguée, donc je pense que mes propos n'étaient peut-être pas cohérents ou peut-être pas complets. Donc on va tout reprendre. Déjà il faut savoir qu'on a quitté la Guadeloupe vendredi, donc avec la compagnie Sky High, nous sommes allés en direction de Saint-Domingue. De Saint-Domingue, ensuite on est arrivé à Miami. À Miami, on avait une voiture de location, donc nous sommes deux couples, donc on avait chacun une voiture de location qu'on a récupérée à Avis. Donc on a fait quelques minutes de route, à peu près à peine 20 minutes, je pense, 15 minutes de route pour rejoindre notre hôtel. Nous sommes arrivés tard, hein, donc on a dîné au Wendy's, qui était vraiment cool avec notre hôtel, comme vous avez pu le voir. Et le lendemain, donc on a pu passer une journée, on s'est baladé, nous sommes allés dans un grand centre commercial, on est allé à Ocean Drive, voilà, on s'est baladé. Et ensuite, le lendemain, comme on repartait tôt, donc on n'est pas rentré trop tard, on a pris le départ vers 6h30 en direction du port Carnaveral pour prendre notre bateau. Nous avons fait 3 heures de route, donc c'était quand même intense. Moi j'ai dormi un moment parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. C'est vrai que ce n'est que maintenant qu'on se pose vraiment, qu'on
respire un peu parce que depuis le départ, on a quand même beaucoup couru. Et notre séjour à Miami était très court. On a fait 2 nuits. Mais la première nuit, en fait, on est juste arrivé, il était déjà tard, donc on n'a rien fait. On était crevés après autant de temps, d'heures de voyage. Et le lendemain, on avait vraiment une journée complète. Mais pareil, on ne pouvait pas aller se coucher trop tard puisque le lendemain, on partait tôt. Donc voilà, j'ai oublié de dire aussi quand on est arrivé à Avis, donc on a déposé la voiture. Il y avait une navette qui nous a déposé justement au port Carnaveral pour prendre le bateau. Donc c'est bien organisé quand même. Voilà. Donc on est monté sur le bateau donc hier. Pour parler un peu de l'organisation, c'est vrai que bon, moi j'avais déjà fait une croisière auparavant, mais ça remonte à très longtemps, donc je ne me souvenais plus forcément. C'était pas la même compagnie, c'était sur Costa. Et puis entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur les croisières. Donc on a trouvé quand même qu'il manquait quand même des personnes pour guider, pour expliquer quand on arrive. C'est vrai que tout est écrit, tout est expliqué, tout est... Mais c'est-à-dire qu'on doit aller chercher l'information là où elle est. On a une application qui s'appelle MSC4Me. Donc dedans, il y a tout ce qui est expliqué, en fait, les programmes, les activités, tout est dedans. Mais on a quand même aussi besoin des fois d'avoir plus d'informations. Et j'ai trouvé qu'on a trouvé en tout cas qu'il manquait un peu du monde pour nous expliquer les choses. Ensuite, nous, on avait déjà acheté un forfait internet avant de monter sur le bateau, donc quelques jours avant la croisière. Parce qu'apparemment, c'était moins cher, il y avait une offre qui était intéressante. Et du coup, quand on est arrivé, en fait, l'application, elle a bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, notre forfait internet a sauté, notre forfait spa aussi a sauté. Donc, c'est comme si on n'avait rien acheté. Donc, quand on est arrivé et qu'on a demandé pour internet, on nous a remis internet, mais on nous a facturé internet. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, on allait nous rembourser. J'espère, je croise les doigts parce que c'est pas donné. Je trouve quand même que l'internet, c'est un peu cher. On a payé, nous, 139 dollars, pardon, en arrivant sur le bateau. Quand on avait pris depuis la Guadeloupe, l'offre était à 81 dollars ou 89 dollars, je ne sais plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai relevé dans la chambre? Ça, c'est mes propres à moi. En face de nous, il y a un tableau. Et le tableau, je ne peux pas, en fait, il me dégoûte. Donc, du coup, j'étais obligée de le cacher. Mais bon, ça, c'est moi. On m'a dit qu'il était très beau, ce tableau. Moi, je ne le trouve pas du tout beau. Voilà. Mais sinon, au niveau confort, on est très bien. La chambre, elle est très bien. Alors, ce qui est à noter, qui est important, c'est qu'on a été surclassé, puisque de base, on avait une cabine Hublot. Donc, on n'a pas eu d'infos là-dessus. On a constaté qu'on a été surclassé. Donc, très bien pour nous, puisque du coup, on a une terrasse et c'est assez agréable quand même. Franchement, c'est vraiment sympa d'avoir la terrasse. Voyager en hublot, voilà, vous avez le hublot, vous voyez la mer, mais là je suis sur la terrasse, quoi, donc c'est vraiment sympa. Donc hier, on a, avec Roux, une fois qu'on s'est installé en cabine, donc les bagages ont pris du temps pour arriver. Le premier bagage qui est arrivé, c'est celui de Roux. Ensuite, le mien est arrivé, mais on n'était pas dans la cabine, hein, donc on faisait des allers-retours, on venait à chaque fois regarder si notre bagage était arrivé, donc on repartait. Donc après, on a eu un exercice de sécurité. Avec les mesures sanitaires, les exercices de sécurité ne se font plus en physique, on va dire, avec tout le monde. Donc on a une vidéo, donc c'est obligatoire, il faut se rendre dans les chambres. Il y a une vidéo qui est diffusée sur les écrans. Il y a d'abord un signal, après il y a une vidéo qui est diffusée sur les écrans. C'était marrant parce qu'en fait, ils ont commencé à dire à 15 minutes avant qu'il fallait se rendre dans les chambres et tout le monde était en train de se balader. Je crois qu'on était au spa en train de prendre des renseignements. Il restait 5 minutes, on a couru pour arriver à notre chambre. Et après, il y a eu l'alarme, ça a commencé et il t'explique que enfin, ça va durer à peu près 1 heure. Donc, c'était de 16h à 17h. On est resté dans la chambre. À la fin de la vidéo, il y a un code qui s'affiche sur l'écran. Donc, il faut composer le code sur le téléphone pour valider en fait que tu as bien suivi l'exercice de sécurité. Et après, en fait, chaque cabine est dispersée dans certaines zones. Donc, nous étions dans la zone F. Donc, il fallait ensuite se rendre dans la zone F sans gilet, sans rien. Hein. Juste avec la carte d'embarquement et avec quelqu'un qui était présent pour scanner, pour attester en fait qu'on a bien fait, qu'on s'est bien rendu dans la zone et qu'on a bien suivi l'exercice. Donc ça, c'était cool. Après, donc moi je voulais acheter ce bracelet là. Ça sert, enfin, je veux pas dire que ça sert pas à grand chose, ça dépanne parce qu'en fait, on peut ouvrir la cabine, on peut faire tout ce qui est paiement avec.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a un trajet qu'on peut faire avec. Mais par contre, si on sort, qu'on rentre du bateau, on est obligé d'avoir notre carte d'embarquement. Parce qu'en fait, la carte d'embarquement, oui, ça c'est un truc que je relève. On nous a donné la carte d'embarquement. Il y a un trou à l'intérieur. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Il y a un trou. Mais il y a pas, on ne nous a pas donné de tour de cou. Donc en fait, tu te balades avec la carte. C'est un peu chiant. Si tu n'as pas un endroit où l'accrocher, tu peux la perdre. Donc voilà. Donc du coup, j'ai préféré avoir ça comme ça. Au moins. J'ai pas tout le temps besoin d'avoir ma carte. Si je suis sur le bateau, par exemple, que je vais faire du sport ou que je vais me balader, j'ai pas besoin de marcher avec une carte ou bien je vais faire des achats, j'ai pas besoin de me balader avec la carte. Donc ça, c'est cool. Ou si je veux boire un verre. Donc, pour revenir après l'exercice de sécurité, hein, donc on s'est baladé, on a vraiment presque fait tout le bateau. Notre zone préférée, c'est la Jungle Bar. C'est magnifique, c'est vert. En plus, il fait chaud, il fait bon. C'est top, franchement, la piscine elle est chaude. C'est un coin qu'on a vraiment aimé. En plus, c'était assez calme. Il y avait pas trop de monde, donc on a bien aimé ce coin-là. Alors, au niveau de mon voyage, par contre, mon regret, c'est que je trouve que je ne suis pas partie avec assez de vêtements chauds et longs. Donc, regardez, là, je vous montre. J'ai la chair de mouton. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, je suis en chair de poule parce qu'il fait quand même frais. Il fait pas froid, mais il fait frais. Même quand nous étions à Miami, il faisait super frais. Donc, j'ai marché tout le temps avec ma veste. Heureusement que j'avais acheté une veste avant de partir. Je l'avais achetée à Morgane, peut-être 2 jours avant le départ. J'ai eu le temps de la laver, de la mettre à sécher. Et j'avais aussi ce pull-là dans ma valise. Et j'avais pris une écharpe aussi noire. Je me suis dit, bon, ça va avec tout. C'est trop jamais. Mais heureusement, j'avais pris ça. Parce que sinon, j'étais dans la merde. Franchement, j'étais dans la merde. Même pour dormir, j'ai pas pris de trucs longs. J'ai que des trucs courts. Donc là, de toute manière, on commence à se diriger. On commence à descendre. Donc j'espère qu'on va descendre vers la chaleur. Parce qu'il fait quand même frais. Même là, on est encore du côté de la Floride. J'ai froid en fait. Après, bon, c'est vrai que là, c'est le matin. Là, je suis dehors. Il y a le vent de la mer. Donc, bon, c'est bon, c'est sûr. C'est frais. Mais ça, c'est un regret que j'aurais pas dû faire ma valise comme ça. Alors, le bateau, il est vraiment sympa. Franchement, c'est très beau. Ils ont vraiment misé sur la déco des espaces communs. Donc, ça shine, ça brille. Il y a des diamants partout. C'est vraiment joli. Après, je pense qu'il y a encore mieux en termes de bateau. Les bateaux Costa aussi, ils sont pas mal. J'avais fait une croisière sur le bateau Costa. Il était vraiment, vraiment bien. Après, voilà, c'est une question de goût, une question de style. Voilà, il y a différentes ambiances sur le bateau, donc je pense que tout le monde trouve son compte. Mais je crois qu'on peut avoir encore mieux. Alors là, on vient d'arriver, enfin on est en train d'arriver à Ocean Key. C'est une île qui appartient à la compagnie MSC. Donc ils ont construit ça, c'est aménagé, il y a des boutiques. Voilà, il y a une petite vie sur cette île, c'est trop mignon. Regardez-moi la bête, comment elle est grosse!
sommes arrivés aux Bahamas. Magnifique. Donc nous sommes en pleine balade, on essaie de découvrir l'île puisque notre excursion a été annulée, enfin annulée, reportée. Donc franchement c'est sympa, j'adore, c'est trop beau. En plus le temps qu'on a, il fait beau et tout, il y a du soleil, c'est trop beau. Un super somme sur des transats à Londres. Là, on va déjeuner dans un buffet qui se trouve sur l'île. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir un peu derrière moi. Donc, il y a la queue et il y a des tables un peu partout où on peut s'installer. C'est une agréable journée dans ces lieux. J'étais pas très convaincue au début, mais franchement, ça valait le coup. On a passé une super bonne journée. Nous avons la lune, petite lune, voilà, et là nous avons le soleil, la mer, le ciel. C'était génial, franchement la journée d'aujourd'hui, rien à dire, la petite île là de MSC, c'était juste incroyable. On a posé les pieds aux Bahamas, tout était nickel. Cet après-midi on a fait un peu de toboggan, un peu d'attraction et tout, c'était trop bien. Et là on va se changer puisqu'on va à la salle de sport. C'était bien bébé la journée. Enfin, elle n'est pas terminée, mais c'était bien ce qu'on a fait aujourd'hui, même si on n'a pas fait le jet. Regarde-moi. Tu fais un coucou. C'était super. Tu fais un coucou à YouTube. YouTube. Coucou le vlog.
Coucou le vlog. Coucou le vlogus. Coucou le vlogus. Oh papa, ça va beaucoup. Bon, à tout à l'heure. Ça vous va pas aller à la salle de sport. On part à la salle de sport. On n'oublie pas de s'entretenir. On mange beaucoup, mais il faut se faire attention à la ligne, n'est-ce pas, Rodolphe? Ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu une lox. Donc Isha va me faire une réparation de lox. Elle va me reloxer. Je ne sais pas si elle va y arriver. Isha, on va essayer. Ma beauté est entre tes mains. Et j'avais prévu le coup, donc juste ce qu'il faut. Mèche, matériel. Voilà. Il me manquait juste les doigts de fée de Isha. La concentration est au max. Ah, ça fait mal? Mais non, vas-y. Attends, c'est passé comme ça. Isha, on regarde un tuto en même temps. Ouais, purée, vous allez me tuer. Les garçons sont arrivés, ils nous ont ramené la boisson. Bien, yeah, Mikini. Bon, ce soir, tu vas faire avec. Ok. Allez, chercher les cartes. Ah, voilà. On a fait quoi, Roco? Son casson s'est envolé. Ah, voilà, on a fait ça. On va goûter ça. J'ai mis quoi sur la papier? Moi. Ouais. Ah. C'est dégueulasse. Enfin, c'est voilà. Très moche. Nous, on a des sardines. Je vais préférer les sardines. On a plein de petits poissons. C'est beaucoup mieux de faire. On va attacher ça. Hein. Là c'est galéon. Sinon on coupe ça. Hein. Donc après on a clox, on a. Tu veux, j'ai des ciseaux. L'important c'est que voilà, mais c'est à dire qu'on aurait pu couper la lox. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Des nattes, des braids, je suis obligée de faire des petits bébières. Genre je trouve que ça fait trop beau, ça fait la diff. Prochaine vidéo. Là maintenant, Isha va utiliser une nouvelle technique pour la deuxième lox qui n'était pas défaite, mais comme je l'ai tiré parce que j'ai cru que c'était, enfin bref, je cherchais un truc dans ma tête, je me suis trompé de natte et du coup je me suis trompé de lox et du coup j'ai un peu abîmé celle-ci, donc on a fait de lox à refaire. Je crie, c'est juste jamais. Hey guys, right now I'm doing a simple makeup look. Now yes. I'm just going to curl my hair. Il y a mon vlog qui a commencé. Donc, on regarde le vlog de Jenny. Je tiens à dire que Isha et Raj, ce sont des abonnés fidèles. Alors, le dimanche matin, rate aucune vidéo. Ça fait du bien en fait quand même d'avoir des proches qui se
soutiennent, qui regardent, qui font des petits commentaires, qui t'envoient des petits messages. Oh, on regarde ton vlog et tout. Et on attend ton vlog et tout, ça va nous déstresser. Ça vous. Moi, j'ai du départ. Ouais. Et vous avez eu le temps de regarder toute la vidéo. Oui, pendant que je faisais ma valise, j'ai tout regardé. Trop bien. C'est au moins, tu sais... Au final, c'était super fatigué. Je dis. Ouais. De toute façon, ça vous a pas fatigué. Non, ça a été. À mon tour, je suis fatiguée, Mais tu sais, j'allais te dire comme moi, des fois, je mets des vlogs, je fais mes trucs, donc ça fait un fond. Mm-hmm. Pendant que je fais mes petites affaires. Et ton petit, lui, il m'a fait trop rire quand il regarde la télé en même temps. Ouais, que ça joue. En fait, il se regarde à la télé. Ah. C'est qui lui? Ouais, un chien. Voilà, Kisha a fini de travailler pour moi. Donc, elle a réparé cette locks là. Non, pas celle-ci. On a rapproché. Et ça, voilà, il est là. Moi, j'ai pas un trou dans ma tête. Mais comme c'est des locks qui sont cachés, donc on va pouvoir jouer avec. Bienvenue, connu. Voilà. On dit merci, Kisha. De rien, avec plaisir. Wow. On vient de découvrir un endroit. Ok. Okay, here. Just go through these curves. Just follow the curves. Don't leave it. Okay. Thank you. Find the door. Okay. C'est caché, hein? L'influenceur. Combien de personnes vous avez vu en fait? N'importe quoi. Là, nous sommes dans la chocolaterie. C'est du chocolat, c'est magnifique. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de bruit. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais l'idée c'est de pouvoir débriefer un peu, mon Dieu, ma tête de fatiguée. L'idée c'est de pouvoir débriefer un petit peu la journée d'hier qui a été juste incroyable. J'espère que je fais des images intéressantes parce que comme vous le savez, ce sont les vacances, je l'ai déjà dit, redit. Mais tout en faisant un petit vlog sympa pour vous, j'essaye aussi de profiter au max et de ne pas être tout le temps sur mon téléphone, à tout le temps faire des images. J'essaie vraiment de me déconnecter. Donc, je pense à vous, mais il y a des choses que vous ne verrez pas dans le vlog forcément, puisque
puisque par moment je prends vraiment le temps de profiter, de savourer. Mais hier du coup c'était une journée trop sympa. Je pensais pas, franchement, quand j'avais vu qu'on allait sur l'île, je me suis dit ouais ok, sans plus, tu vois. Mais franchement c'était une dinguerie, en fait. C'était une dinguerie. L'île elle est magnifique, c'est incroyable, l'eau était belle. On a passé un super bon moment. Vraiment, c'était bien. On a même dormi sur un transat, au bord de la mer et tout. C'était trop, trop bien. En fait, hier, on avait pris une excursion. Donc, on devait faire du jet ski. Mais comme la mer était un peu agitée, donc notre excursion n'a pas eu lieu. Du coup, ils nous ont remboursé. Donc, hier, sur ça, il n'y a pas de problème. Et on a profité de la journée autrement. Donc, on a dû revoir un peu notre programme. Mais c'était pas grave parce que du coup, c'était aussi bien. Donc, on a profité de l'île. On a fait un peu les boutiques. On a acheté un truc pour mettre sur notre frigo. Bon, on s'est dit que partout où on allait passer, on allait prendre ça. Après, on est remonté à bord, donc dans l'après-midi. Donc, on a déjeuné sur l'île puisqu'en fait, il y a des snacks, des restos, tout ça. Mais c'est compris en fait dans la croisière. Donc, on n'a pas payé en plus. Donc, on pouvait boire à volonté, manger, voilà. Ro et moi, nous étions deux, puisque comme on était censé faire notre excursion, donc on s'était séparés de Rajikisha. Et finalement, on s'est retrouvés au déjeuner. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvés au déjeuner. On les a cherchés toute la journée sur l'île, en fait. On se demandait est-ce qu'ils étaient là, on ne les a jamais vus. Pareil, ils nous ont cherchés toute la journée. Et visiblement, on ne s'est jamais trouvés. Donc à l'heure du déjeuner, on s'est retrouvés. Et du coup, après, comme notre excursion a été annulée, nous sommes remontés à bord et c'était trop bien parce qu'on est passé dans la partie un peu attraction du bateau. Donc il y a des toboggans, on a fait du ping-pong, on a fait de la glisse. Franchement c'était trop trop bien, on a fait tous les toboggans, on les a tous testés. C'était génial, on s'amusait comme des gamins, c'était trop bien. Après on était dans la partie jungle pool and bar qu'on adore. Franchement la découverte là et tout, l'esprit un peu jungle. En plus, il fait chaud là-bas, franchement, c'est top. Donc, on a testé la piscine, qui est la piscine la plus chaude du bateau. Et ensuite, on a testé aussi les jacuzzis qui sont sur place, en fait, qui sont dans la zone. C'était trop bien. Et après, nous sommes partis faire notre première séance de soir sur le bateau. C'était trop cool. Et après, donc le soir, on a beaucoup insisté pour qu'on aille au théâtre parce qu'il y avait un spectacle, j'étais pas trop chaude. Et finalement, le spectacle était d'une qualité. C'était juste trop bien, trop trop bien. Et après, on a dîné. Et après le dîner, on est passé voir, il y avait une petite animation musicale, enfin comme tous les soirs. On est passé regarder un petit peu, mais j'étais crevée, j'avais juste envie de dormir, donc on n'est pas resté longtemps. Et voilà, et très bonne nuit comme toujours. Là, c'est notre deuxième nuit à bord. J'ai super bien dormi. On dort comme... Franchement, on dort super bien. On a dormi comme des bébés. On dort toujours, d'ailleurs. Et j'ai adoré, en fait. Là, je veux dire, j'ai adoré. Alors là, ce qui est bien et en même temps spécial, c'est qu'aujourd'hui et demain, donc on est en mer. Donc, on fait deux jours en mer. C'est bien parce que du coup, on n'a pas le côté où il faut descendre, aller faire des excursions, aller découvrir un endroit. Donc, c'est, on va dire, j'espère, en tout cas, c'est moins fatigant. Donc, aujourd'hui, en fait, on est à bord. Donc, on ira prendre le petit déjeuner. On a réservé le spa pour 10h30. Donc, on fera, je pense, peut-être 2h au spa à peu près. Et après, ben, c'est chill. Hein. Franchement, on n'a pas de programme défini. On verra bien ce qu'on fait. Et oui, hier, j'ai oublié de vous dire, on a aussi hier découvert une partie du bateau qu'on n'avait jamais vue. Donc, la partie chocolaterie, shopping, en fait. Clairement, oui, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de boutiques, en fait, sur le bateau. Mais en fait, c'est qu'on n'avait pas encore tout vu. Donc, on était trop contents de découvrir encore une nouvelle partie. Le théâtre aussi, il est très beau. Et du coup, on a acheté des chocolats. On a fait un peu des boutiques, on a regardé un peu. C'était sympa. Franchement, la journée d'hier, rien à dire. C'était... Même le dîner, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. On a mangé du saumon et tout, c'est trop bon. J'ai passé un bon moment, un très 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 bon moment. Mais je parle, mais j'ai oublié de vous dire qu'il s'est passé un truc. Mais hier, c'était la journée. Hein. Je ne sais pas s'il y aura une autre journée qui va battre cette journée-là. Mais hier, c'était trop bien. Il y a eu plein d'autres petites choses, je pense, auxquelles je n'ai pas pensé. Mais c'est pas grave. Mais il y a un truc qui me revient. C'est que hier, au petit déjeuner, je croise une jeune femme qui me regarde et qui me dit « Ça va, Jenny ?» Et là, je la regarde. Vous savez, en fait, moi, je retiens pas les visages des gens. Donc, souvent, comme j'ai pas envie de froisser la personne, donc je prends le temps de la réflexion, mais je monte pas trop sur mon expression que je vois pas de qui il s'agit. Pas.
pour pas blesser la personne en fait. Surtout quand la personne m'appelle par mon prénom, forcément c'est qu'on se connaît. Et là, je la regarde, je lui dis oui, mais bon, elle voit que je réfléchis. Et là, elle me dit, c'est une abonnée. Je dis, ah ok, tout. Donc je me souviens plus très bien de ce qu'elle m'a dit, hein, mais en gros, elle m'a dit que qu'elle regardait les vlogs. Elle me dit, mais qu'est-ce enfin, que. Elle a vu que j'étais à Miami, mais elle s'est dit, mais à quel moment je suis arrivée là et tout. Donc elle fait la conversation avec moi. Elle s'appelle Yasmina. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre parce qu'elle m'a parlé comme si nous étions copines. Vraiment. Et je me suis dit, en fait, c'est moi, des fois, j'ai l'impression, j'oublie en fait qu'il y a des gens derrière qui regardent la vidéo, qui me connaissent en fait finalement, parce qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu as pris de la pastèque? Il n'y avait pas de pastèque, donc voilà, la réponse est non. Mais ça m'a fait bizarre parce qu'elle m'a parlé comme si elle me connaissait en fait. Et souvent, les gens, je me rends compte, ils me parlent beaucoup de Twenty quand je les croise et tout. Et des fois, je me dis, mais c'est vrai en fait, je vous raconte ma vie. Donc vous savez plein de choses. Bon, il y a des choses que vous ne savez pas, forcément. Il y a des petites choses que je vous cache, forcément. Mais c'est vrai que voilà, vous êtes en tout cas au courant de quand même pas mal de petites choses que je partage avec vous. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que je ne m'y attendais pas de voir comment cette personne était à l'aise alors que c'était la première fois qu'on discutait réellement ensemble. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose et je me suis dit... En fait, j'ai l'impression que, et pourtant, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, que j'ai un contact avec les abonnés, mais là, le fait d'être loin, de ne pas être en Guadeloupe, et de tomber sur une abonnée, sur le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau, je me suis dit quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur le bateau, mais je me suis dit quand même, je suis tombée sur une abonnée en fait. Ça m'a fait bizarre, franchement, ça m'a fait bizarre, et c'est là que je me suis dit quand même, qu'il y a du monde en fait qui regarde les vidéos. Et même des personnes que je connais, que je connaissais avant d'être sur YouTube, je vois que des fois elles me parlent autrement parce qu'elles sont en mode la Jenny de YouTube en fait. Alors que dans la vraie vie, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer, mais dans la vraie vie, en fait, s'il n'y avait pas la partie YouTube, je sais qu'on ne se serait pas parlé comme ça, ou la personne n'aurait pas eu une facilité ou une aisance à me parler de cette manière. Quand je dis cette manière, c'est de manière très simple, très naturelle, très. Décomplexé, on va dire, alors que si on se connaissait, si elle pas YouTube et que la personne me connaissait juste moi, Jenny, sachant que je suis un spécimen dans la vraie vie, je pense que en fait, YouTube ça m'aide beaucoup parce qu'en vrai, vous me voyez comme je suis, et en fait, ça, c'était pas un truc que j'avais prévu, et je le découvre de jour en jour. Je me rends compte au niveau de ma personnalité ou de la perception que les gens ont de moi. Elle est vraiment différente. Donc, par rapport aux gens qui me regardent sur YouTube, je me rends bien compte que l'approche, elle est vraiment différente. J'avais pas à croire que je parlais 3 minutes pour dire ça, mais c'est pas grave, c'était important parce que Yasmina, en tout cas, si tu regardes la vidéo, sache que ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes parler avec moi, que tu m'abordes de cette manière. Tu peux même pas imaginer, en fait, pour moi, comment ça a été magique ce moment, en fait. On a échangé vite fait. Elle est venue, franchement, naturellement, elle est venue. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens, et d'ailleurs, je vais le redire, si vous me voyez quelque part, que vous me reconnaissez par rapport au fait que vous me suivez, sauf si vous me détestez. Ça, c'est, voilà, je ne veux pas... Mais si vous m'appréciez, en tout cas, si vous êtes dans cette démarche-là, venez me parler. Parce que ça m'angoisse, ça me stresse d'être quelque part et de voir des gens qui me surveillent comme ça... ça me stresse, donc je préfère mille fois, même si vous restez pas longtemps, même si vous voulez pas me parler longtemps, mais vous me dites juste coucou Jenny, c'est une abonnée YouTube, juste ça, au moins je sais que si vous me regardez, je sais que c'est pour ça. Mais des fois les gens, vous me voyez, vous me reconnaissez et vous restez là comme ça à me regarder, et puis quand je vous regarde, vous tournez les yeux, vous faites des jeux là, des trucs bizarres, et ça, j'aime pas ça en fait, je n'aime pas ça. Donc s'il vous plaît, ne me mettez pas dans ce stress. Ne me mettez pas dans ce stress. Venez me parler. Juste ça. Ça va faire l'affaire. Dressing rooms. Yes. For you is
one, okay? For him, it's this one. Okay. I'm gonna show you. So here, we have daughters. You can just hold them. Just do like this, so that you see. Okay. In there, they've got locusts like this, yeah? Mm-hmm. So you use your card. So this one, wow. Aromatherapy shower. Okay. You press here, there's a button. You press, okay, the water comes out. Okay. Yeah? Yeah. It's pretty cool. Aromatherapy. You can go in two saunas. Ah, the sauna. Okay. This one is warm. Okay. This one is super hot. Okay. 80 to 100 degrees. Là c'est très chaud. Là c'est chaud mais très très chaud là. Yeah, okay. Very hot. This one. Very hot. This okay. one warm, yeah. On va le gagner en caleçon. This one just like the first one, yeah. It's a veggies, warm. Okay, assez froid. Jacuzzi, it's warm and salty water. Room. Okay, that's glass. Okay. -10 degrees, yeah? More information you read here. Okay. Time maximum 8 minutes, okay. Yeah? Yeah. Salt room. Salt room, salt relax. Voilà, on a profité du spa, c'était super bien. Là, on va faire un petit tour sur le bateau. Je me suis changée. Du coup, en fait, comme on est en train de se couper quelqu'un, tout le monde. Avec les appareils, tout ça. À la salle de sport. Alors, ce matin, j'ai décidé de me réveiller plus tôt pour aller à la salle de sport. Je me suis dit, passe par là. Voilà, là, c'est vraiment mon rythme normal de bouteau. C'est trop beau ce coin-là. Là, c'est le coin de Paris. Donc c'est assez calme hein, puisque les gens dorment. Mais là, je vais à la salle de sport. Après, j'irai au spa. Et après, au petit déjeuner. Parce que c'est le dernier jour, en fait. Bonjour. J'étais calée sur le rythme de Ro. Et du coup, ben, c'est réveil un peu plus tard. Départ de la chambre un peu plus tard. Sport l'après-midi.
le matin, je suis très en forme en fait. Donc je préfère faire mon sport là, faire le spa, comme ça au moins c'est fait pour la journée. Et quand lui sera en forme pour faire du sport et je sais pas quoi, ben moi je me reposerai en fait pour être en forme pour la soirée. Voilà. Les soirs, je suis fatiguée, je ne peux pas vraiment profiter des soirées, je ne peux pas faire grand chose parce que je suis crevée. En fait, il faut que je fasse une petite sieste en fait l'après-midi, puisque de toutes les manières, je me réveille tôt. Donc quand je me réveille tôt, en fait, je reste en chambre, je l'attends. Et pour moi, c'est un peu une perte de temps, quoi, parce que c'est à peu près 2 heures, 3 heures de temps que je vais passer là à l'attendre. Donc je suis allée à la salle de sport. Écran interactif comme ça un peu partout sur le bateau. Ah ça, je voulais faire ça. Ça. Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils disent. Capturez votre regard. Créez une œuvre d'art unique. Non. Ok. Toute seule, je me balade un peu dans le bateau. Ça bouge un petit peu. Ah, je suis allée au théâtre. Ok, bon, d'accord. Je repars, j'ai rien à faire là. J'ai pas vu que c'était l'entrée du théâtre en fait. Avec roue.
Alors hier j'ai repéré un sac dans cette boutique là, un sac Lacoste, et Ro m'a dit qu'il allait me l'offrir. Ro m'a offert un sac. Je vous montre, enfin on pourra pas bien voir le sac, mais je vous montre. C'est un sac Lacoste. Pour que tu danses sur le bateau? Oui, j'ai pris des cours de danse. Avec qui? Avec Nikki. Avec qui? On doit pas aller au sport, mais on ne veut pas aller au sport seul. Une heure pour consentir le sbarco d'un ospite qui necessitava di cure mediche urgenti. In qualità di marinai, abbracciamo con orgoglio il nostro dovere di prestare assistenza con la Coast Guard americana. Stiamo navigando per Phillipsburg, ma il nostro ETA, purtroppo il nostro arrivo, è leggermente slittato nel pomeriggio, anche per le condizioni meteo che purtroppo sono avverse dal vento da nord-est con le onde che purtroppo stanno... Ladies and gentlemen, good morning, and this is Captain speaking from the bridge. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Votre attention, s'il vous plaît, c'est une annonce très importante au nom de notre commandant Corrado Iaconis. Midi, nous avons dû dévier de notre route pendant quelques heures pour permettre le débarquement d'un passager qui avait besoin de soins médicaux urgents. En tant que marin, nous sommes fiers de notre devoir de porter assistance aux personnes en détresse en mer et de toujours veiller au bien-être de chaque passager à bord. Après l'évacuation médicale réussie d'hier, que nous avons coordonnée avec les gardes-côtes américaines, nous naviguons maintenant à pleine vitesse en direction de Saint-Martin, Phillipsburg, notre prochain port d'escale. Bien que le vent de nord-est et la houle aient un impact sur notre vitesse de croisière, nous prévoyons actuellement d'atteindre Saint-Martin vers 18h demain. Je répète, mesdames et messieurs, nous prévoyons actuellement d'atteindre Saint-Martin vers 18h demain. Nous resterons au port jusqu'à 2h du matin afin de vous laisser le temps de profiter de cette belle destination. Je répète, mesdames et messieurs, nous prévoyons de rester au port jusqu'à 2h du matin. Les passagers ayant réservé les excursions MSC pour Phillipsburg seront intégralement remboursés sur leur compte à bord. N'hésitez pas à consulter notre personnel des excursions inter pendant les heures d'ouverture annoncées dans le programme du jour pour connaître les autres options d'excursion encore disponibles pour nos fabuleux ports d'escale de Saint John Antigua le 24 novembre. Veuillez noter que cette situation est due à des raisons indépendantes de notre volonté. Notre priorité est toujours d'assurer votre confort, votre sécurité et votre bien-être. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une excellente journée en mer. Ils ont commencé à installer la déco de Noël. Nous sommes au spectacle. Pour une fois, nous sommes arrivés à l'heure. Ça va pas tarder à commencer. Comment c'était ce troisième spectacle? Un petit peu moins bien, mais bon, c'est toujours mieux de rien faire. C'est ça. C'était sympa. J'ai beaucoup de chance. On va dîner. Ils ont vidé la piscine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est nul, hein, en fait, finalement. Si nous avons Rodolphe, t'es pas beau en vidéo. Et si nous avons Raj, regardez-moi ces beaux cheveux. Bientôt, je fais une perruque avec ça. Et nous avons... Aïe, oui. Pardon. Nous avons Kisha. Oui.
Ça sent bon, hein, par ici. On fait la fête. On est en lune. Marché. Je voulais faire une image de l'extérieur, mais ce n'est pas possible. Ouais. On voit rien de l'extérieur en fait. Enceinte? Pas enceinte. Burger? Pas burger. Meilleur pas de danse. Rodolphe, ton pas de danse. On les arrête plus. Toutes les piscines sont vidées ce soir. On se balade. Ce soir, on est très en forme pour la fête. Ouh! Mais c'est pas mouillé. C'est mouillé là. Faites attention, mais c'est fermé à cette heure aussi, normalement. Tu vois. Ouais. Il voit qu'il s'est fait un bruit bizarre ce soir.
Un petit coucou de nous pour vous dire qu'on a passé une bonne journée. N'est-ce pas, Ro? Ro s'est découvert un talent ce soir. Le talent de faire des bruits bizarres. Et voilà. Bon, bah, sur ce, on dit à demain. Bisous! À bord, ça fait quoi, 3 jours? Ça fait 3 jours qu'on est en mer par rapport à la personne qu'ils ont dû secourir. Et donc ça commence un peu à faire long. On a envie de voir la terre, on a envie de descendre. Mais bon, on a pu se reposer aussi et profiter quand même du bateau. Donc voilà, nouvelle journée, on n'a pas de programme défini. On va se laisser porter par la vie en mer. Non, monsieur? Non, ok. Déclaration à nous faire ? Bienvenue de chocolat. Nous sommes les chocolate powder addicts. Et aujourd'hui, il n'y a plus de chocolat en poudre. Donc, moi, j'ai eu le temps d'en avoir un. J'ai vu mon chocolat là, c'était très bon. D'ailleurs, je n'ai même pas tout vu. Iran n'a pas eu le temps d'avoir sa poudre pour faire son chocolat. Donc, il est triste ce matin. C'est la Black Friday à bord. Et du coup, on a fait quelques achats ici. Ça se passe là-bas. Enfin, après 3 jours de navigation, enfin la terre. Bon, on était censé faire 2 jours en mer, officiellement. Et avec ce qui s'est passé sur le bateau, finalement, on a dû faire demi-tour. Enfin bon, bref, ça fait 3 jours qu'on est en mer. Et on en a marre. On veut retrouver la terre ferme, s'il vous plaît. C'est les îles. Et puis, en plus, on est fatigué. Nous sommes fatigués. C'est les îles Vierges, mon ami. Ok. On avait une terre, on a pensé qu'on était arrivé, mais pas du tout. J'avais une question à vous poser. Est-ce que, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont été en couple déjà, est-ce que dans le couple, vous vous donniez des petits surnoms mignons ou pas mignons, hein, je sais pas, mais des petits surnoms particuliers, au-delà de doudou, bébé, chéri, mon amour, enfin les trucs classiques? Parce que là, Ro et moi, en fait, on a des petits surnoms. Et je sais pas si c'est normal, en fait, dans les couples, d'avoir des surnoms bizarres comme ça. Des petits surnoms, mais quand on est énervé, On n'est pas vraiment énervé, hein. Enfin, on rigole. On rigole, mais... Ouais. Quand on se taquine, oui. Oui, sinon dans... Ah, excuse-moi. Sinon dans la vie de tous les jours, oui, on va s'appeler chérie, mon amour, machin. Bon, on a des petits surnoms, en fait. C'est des petits surnoms taquins, en fait, quand on veut se chamailler. Et en fait... Moi, j'appelle Ro Macacri et lui, il m'appelle Gribouillage. Gribouilli. Et c'est moche. Il y a Dog Island. Voilà, c'est tout pour l'info. Donc, dites-moi aussi si vous avez ou vous avez eu des petits surnoms bizarres ou si c'est nous qui sommes bizarres. On va à la salle de sport. C'est les rangées, les gens, les mignons. Pourquoi je te trouve plus large que d'habitude? Je trouve musclé d'abord. Ah, il est beau, l'impression.
Saint-Martin. On va faire un petit tour. Par la balade. Bon, il fait nuit, hein, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais bon, c'est-à-dire, on n'est pas censé arriver aussi tard. Mais ma foi, la viande a décidé autrement. Donc on va faire avec. On voit rien, mais bon. Ce soir, c'est la All White. Il y a Adi avec nous. Tout le monde ici. C'est magnifique, waouh. Nous sommes arrivés à Antigua. Regardez comment Rodolphe est chargé, il m'a dit qu'il est un chameau. Il veut pas me laisser porter des trucs. Fais attention à tes pieds bébé, il y a des trous là. Ne pas tomber. Il porte mon sac et son sac. Moi j'en avais marre parce que c'est trop lourd. C'est super lourd en fait. J'ai plein de trucs inutiles dans mon sac parce que je pensais qu'on allait à la plage. Donc j'ai mon masque de plongée, tuba, serviette, lit, bouteille d'eau. Enfin, toute ma life quoi. Yeah, et en fait, finalement, on se retrouve à marcher. Fais attention, chérie. On se retrouve à marcher dans les rues, à faire du shopping. Et voilà quoi. Je ne peux plus supporter le poids de mon sac. Il est beau, hein? C'est magnifique. Aïe, bébé.
Bébé, la bête va t'attaquer, bébé. Bébé, sors de là, bébé. La bête va t'attaquer. Bébé, la bête va t'attaquer. Moi-même. Donc je vais voir si je peux me faire une petite session au spa. Roro était un petit peu fatigué, donc il m'a dit qu'il allait me rejoindre tout à l'heure. Je vais me faire un petit truc pour me détendre là. Morning. It's open? Yes. Récupérer mon peignoir et je passe au vestiaire pour me changer. Grace mon. Ah, merci. Merci, mes couilles. Ouh, mon endroit préféré. Voilà, je suis prête. C'est marrant, ça fait une douche froide, une douche chaude, une douche froide, une douche chaude. C'est cool, hein? Voilà. Là, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être aller dans le froid s'il y a personne. Aidez-moi quelqu'un. Moi j'ai froid, je suis habillée, et vous? Au calme. Have you a part?
comes to midnight. Something evil's lurking in the dark. And at the moonlight, it feels like I almost got shot. De la Martinique, donc le séjour est presque terminé. Demain nous arrivons en Guadeloupe. Hier j'ai passé une très bonne journée, on était à Antigua, donc le matin on a pris notre petit déjeuner, ensuite nous sommes descendus, on a fait un petit tour dans la ville, je cherchais un produit que j'ai trouvé qu'on ne vend pas en Guadeloupe, on a marché un petit peu, ensuite nous sommes remontés à bord. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déjeuné. Après, nous sommes partis au spa. Ensuite, on s'est reposé. Et après, nous sommes sortis en début de soirée. Donc, on a fait un tour sur le bateau. Nous sommes allés au bar. Ensuite, on a allé dîner. Ensuite, on s'est baladé encore sur le bateau. Voilà, c'était vraiment une journée sympa, très chill, pour ne pas changer. Et là, c'est vrai qu'hier soir, c'est la première fois que j'ai aussi peu dormi et que j'ai dormi déjà. En fait, c'est comme si mon cerveau commençait à se préparer au retour. Je commençais à repenser un petit peu à tout, hein, le quotidien, le boulot, les choses que j'ai à faire, les personnes à qui je dois faire des réponses, des retours. Des gens qui m'ont demandé certaines choses. En fait, voilà, mon cerveau, j'ai l'impression que mon cerveau est en train petit à petit de se reconnecter avec la réalité. Et c'était pas agréable. C'était pas agréable du tout. Donc, j'espère que je vais pouvoir profiter de cette journée, dernière journée, sans être trop anxieuse. C'est vrai que le retour à la vraie vie, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. J'ai quand même hâte de retrouver mon chez-moi. J'ai hâte de retrouver mon 20, ma famille. Mais j'aurais bien aimé rester encore un petit peu plus. Voilà, c'était vraiment des vacances incroyables. On a aussi fait la connaissance de quelques personnes durant ce voyage. On a fait de belles rencontres, très sincèrement de très très belles rencontres. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en Guadeloupe, puisque ce sont les Guadeloupéens.
On a fait de très très belles rencontres. Nous sommes arrivés en Martinique. Et là, il y a la tour Lumina. Juste ici. En plus, c'est la musique. Nous avons posé les pieds en Martinique. Et donc là, nous sommes sur le petit village pour pouvoir effectuer quelques achats. Toujours en Martinique, je sais pas si vous allez voir, voilà, là c'est un peu couvert mais il y a la montagne pelée ici, et là on va monter rejoindre Kisha et Raj pour aller manger une crêpe. Et si je vous dis que je suis nostalgique, mais vraiment nostalgique, j'ai passé des vacances incroyables. C'était juste génial, on s'est reposé, on a bouffé. C'était bien en fait, dans l'insouciance la plus complète, ça fait vraiment du bien. Si je peux vraiment vous conseiller de partir en vacances, et si vous avez la possibilité de faire une croisière, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est un bon compromis parce que non seulement on a la possibilité de découvrir différents endroits, mais en plus on n'a pas à se soucier pour le petit déjeuner, le dîner, qu'est-ce qu'on va boire, etc. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix, et c'est une très très belle aventure quoi. Donc franchement, en plus avec les agences que nous avons, nous on est passé par l'agence Panchard pour notre voyage. Il y en a d'autres, hein. Vous avez la possibilité de faire un paiement plusieurs fois, de vous organiser. Par exemple, là, on est en novembre 2023, vous avez le temps de vous organiser pour novembre-décembre 2024, par exemple. Donc, dès maintenant, vous pouvez aller en agence, consulter les différentes offres, les différentes croisières et faire le voyage qui vous correspond et commencer à payer ça dès maintenant. Donc, chaque mois, vous versez un petit peu. Même avec un petit budget, on peut réussir à se faire plaisir. Mais ça demande un petit peu d'organisation. Et puis, par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre cabine avec balcon. Vous pouvez prendre une cabine intérieure ou une cabine avec hublot, par exemple. Ça fait déjà économiser un petit peu. Nous, par exemple, on a fait un départ, on a pris la croisière au départ de Miami. Vous pouvez faire une croisière, en tout cas pour ceux qui sont de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous pouvez prendre un départ direct en Guadeloupe ou en Martinique, comme ça, ben, ça vous évite des frais pour les billets, location de voiture, etc. Le bateau vous récupère chez vous, il vous ramène chez vous, pas besoin de prendre l'avion, etc. Donc franchement, on a la chance d'avoir des circuits chez nous, donc il faut en profiter. Il y a différentes compagnies, hein. Nous on a voyagé sur MSC, mais il y a Costa aussi, donc franchement il y a de quoi faire. On est vraiment content et satisfait de ce voyage. Et j'espère qu'on en refera d'autres. On croise les doigts. Et c'était vraiment ça. Même vous la voilà.
Rajesh a partagé une boule avec Rodolphe pour son plus grand bonheur. Elle est pas de la boule de Paris. La boule de Rajesh juteuse. Regardez, ça va pas. J'ai goûté ma boule. Alors Rajesh, quelles sont les sensations après cette cette donation? C'est goût de ce boule. J'ai pas goûté. Et voilà que Kisha se mélange à l'histoire. Vraiment bon. Eh bébé. Il est bon ma boule. Ce soir c'est la soirée chocolat chaud, café chaud et câlin. Du désespoir, la nostalgie. Nous sommes tristes de quitter ce bateau. Rodolphe Fleur, son chagrin. Non mais en vrai on est vraiment triste. C'est toujours la blonde hein. En tout cas, Ro et moi, nous sommes très heureux d'être venus nous immiscer dans la lune de miel de Rajesh. La luna de miel. Elle était très bon compagnon. C'était bien amusé aussi. Oui. C'était vraiment cool. C'est très bougé. Rodolphe, qu'est-ce que ça te fait d'être immiscé dans la lune de miel de Rajesh? Ben, j'ai bien profité de cette lune de miel. Ouais. Ouais, mais moi, C'est bien? Donc en fait, si vous faites votre lune de miel et que vous cherchez des compagnons de route, pensez à nous. Je retrouve les couleurs dans mon ciel de Guadeloupe. Là, je pense que ça se marque à l'ours. Je n'ai vu ça nulle part. Le ciel de Guadeloupe, il est incroyable. Nous sommes arrivés, il fait super beau, là on voit même la Dominique tout au fond là-bas, la chaîne de montagne, le port autonome, on y est vraiment tout près, c'est magnifique. Nous sommes arrivés en Guadeloupe, franchement c'est pas de gaieté de cœur, depuis hier soir notre cœur est lourd. Avec Kisha et Raj, on a pleuré hier parce qu'on était vraiment triste de se dire que la croisière est terminée, que nos vacances sont terminées. On a passé un moment exceptionnel, quoi. C'était incroyable. Je vous dis déjà, enfin je dis déjà, mais c'est la fin du vlog, donc il est un peu tard pour en parler, mais je m'excuse si le vlog n'est pas, je n'ai pas montré beaucoup de choses, s'il n'est pas à la hauteur de vos attentes, parce que j'ai décidé de prioriser le repos. Et c'est vrai qu'il est important quand même au moins une fois dans l'année de pouvoir vraiment complètement se déconnecter. Là, je n'étais pas déconnectée complètement, ouais, sauf que j'étais déconnectée à 90% parce que j'ai quand même fait quelques stories, quelques publications, j'ai quand même été sur Instagram, j'ai filmé pour YouTube, donc je n'étais pas complètement déconnectée. Mais quand même, cette déconnexion à 90% m'a quand même fait du bien. Donc c'est important de pouvoir se couper un petit peu de tout ça et de se reposer un peu l'esprit, le corps mais aussi l'esprit. J'espère quand même que le vlog sera sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des choses, des informations qui sont manquantes ou des choses qui ne sont pas claires, parce que là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. Hein. C'était quand j'y pensais, je sortais un peu le téléphone pour filmer. Donc voilà, c'était vraiment freestyle, mais c'était volontaire parce que je ne voulais pas que mon attention soit vraiment portée là-dessus. Je ne voulais pas que les vacances soient lourdes parce que je demande aux uns aux autres de me filmer, de faire ci. Donc c'était volontaire. On verra le rendu, on verra ce que ça va donner. En tout cas, vous savez déjà, je reste toujours disponible en commentaire sous la vidéo YouTube. Je reste disponible sur Insta aussi si vous voulez qu'on discute plus ou si vous avez d'autres choses à partager avec moi que vous ne voulez pas forcément laisser dans les commentaires qui sont visibles. Donc voilà. Et toi, t'es content de rentrer chez toi? Oui, pas moi.
Oui, je suis contente de retrouver 20, je suis contente de retrouver la maison, mais je suis pas contente de finir cette croisière. Sniff. Allez, à bientôt. Au revoir, petite chambre. Au revoir, petit balcon. Au revoir, petit lit. Au revoir, petit canapé. Au revoir, petit dressing. Au revoir, petite salle de bain. Bye. Au revoir, doudou. Au revoir, petit tableau. Tu ne vas pas me manquer, toi, par contre. Dégueu. My God. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir d'embarquer avec nous à bord du MSC Seaside. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. It really makes me wonder.